ça, c'est Micromania, le plus grand magasin de jeux vidéo en France. Et ça, c'est la poubelle du magasin Micromania. On est à l'arrêt du magasin et aujourd'hui, on va voir si dans cette poubelle, on peut trouver des choses de fou. Est-ce que le magasin Micromania jette beaucoup de choses? C'est ce qu'on va voir. Ça veut dire qu'on va trouver tous les trucs invendus de Micromania. C'est des PS5, PS4, FIFA 22, FIFA 23, tous les jeux de fou. Oh, mais un trésor. T'as absolument tout compris, les gars. Le but, c'est de repartir en total BNF. On va voir si Micromania jette plus d'articles que les autres magasins. On fouille la première poubelle de cette vidéo. Et les gars, faut vous équiper. Donc, clairement, les gars, je vous ai donné une pince pour attraper tous les objets dans cette vidéo qui est juste ici. Parfait. Également les gars, un gilet orange pour chacun de vous deux. Au cas où si les flics ou qui que ce soit passe, ils penseront qu'on est des éboueurs et ça passera 10 fois mieux. Pas bête hein. Pas bête. Pas bête et bouette. Et pour l'hygiène bien évidemment, je vous ai amené des gants les gars, vous avez pas fouillé les poubelles à la main. Oui, donc chacun aura une paire de gants. C'est parti les gars, on est enfin entièrement équipé. Oui. Et là les gars, on va fouiller les poubelles du Micromania. On est parti à l'arrière de la ruelle du Micromania. Qui veut commencer? Je commence direct. Direct. Oh, le premier article que tu trouves, et ben on le gagne frère. Les gars, à Micromania, pour ceux qui savent pas, c'est que des jeux vidéo. Ça veut dire qu'il y a des PS5, il y a des Nintendo Switch, il y a des PS4. On fait chacun des jeux. Chacun pour chaque fois. Sérieux? On commence à fouiller. Vas-y, commencez moi. Vas-y, c'est bon, il a dit en premier. C'est parti, les gars. Ok, c'est parti. Là, premièrement, je vais ouvrir la première poubelle de Micromania, les gars. Est-ce qu'on est sûr que c'est Micromania? Il y a beaucoup de magasins à côté, donc il s'est mélangé, je pense. Je pense pour moi, c'est le même conteneur de poubelle, mais pour tous les magasins de la ruelle. Ce qui signifie que tu es tombé sur du Micromania, mais autre chose aussi. Exactement. Mais les gars, c'est la seule poubelle de la ruelle. Ce qui signifie Micromania obligatoirement, il jette ici. Il y a quoi dedans? Du café. Ah, ça pue. Des pains au chocolat. Des barquettes. Ça les gars, c'est quoi? Four traditionnel, c'est pas pour nous. Mais frère, c'est des babouches ou quoi? Quoi, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Ah, mais... oh, ça me donne des frissons. Ah, oh, c'est la première poubelle, c'est une poubelle là, il y a c'est la boue. C'est la boue. Okay. T'as une pancarte. Est-ce que peut-être c'est les gars, parce qu'à Micromania, je sais qu'ils vendent des posters. Donc peut-être les gars, c'est des posters One Piece, tout comme ça. Guerilla de l'ascension. Ok, rien à voir avec Micromania pour le moment. Ah, je crois que c'est une des pires poubelles qu'on a fait, je crois. En termes de pion. Après, moi je vais pas te mentir, si tu trouves rien là, nous on fouille la poubelle, il y aura quelque chose de mieux peut-être. Ah, moi je mets pas ma main. C'est dégueulasse. Même avec des gars, je mets pas ma main. Là, il y a un sachet là, ouvre-le. Mais ça va être que des vieilles. Ouvre, ouvre, on s'est jamais imaginé, il y a que des cartes PSN dedans. Y'a quoi? Ah ouais, c'est pas des cartes PSN les gars. Là, c'est vraiment des bananes, frère. Ah, ça commence mal ces poubelles, frère. Ce sac plastique, on dirait pas un sac plastique Micromania. Ça, c'est la couleur Micromania, frérot. On dirait vraiment un sac plastique où dedans on peut mettre peut-être par exemple une PS5. Faut que tu continues à fouiller là. Oh, soit tu mets les mains, tu fouilles bien, soit tu prends la pince. Tu vois, la pince elle sert à ça, la pince. Elle sert à déchirer le papier, à se trouver. Ah, on peut pas t'aider, faut que tu ailles. Et les gars, ce qu'on a oublié de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, chaque article trouvé par chaque participant lui revient automatiquement à 100%. Il n'y a pas de partage. Exemple, tu trouves maintenant une carte PlayStation de 50€, tu la gardes. Il y a un colis, il est plein, les gars. Il y a un colis? Il est plein, il est lourd. Ah purée, il est ouvert. Attends, attends, je vas-y, il est plein. Non, ma parole est vide. Oh, attends. Oh, les gars, c'est un truc de Micromania, frère. Geeko, Geeko, Freaks, Freaks and Geeks. Vas-y, attends, y'a rien de en mode, y'a rien, y'a rien. Purée. Ça veut dire que c'est fait pour les geeks et y'a un logo d'arcade. Ça, les gars, ça prouve bien qu'on est bien chez Micromania, les gars. Y'a une boîte Nintendo. Oh, mais y'a une autre boîte, frère. Tu roules là? Fragile. Première vérification de livraison. C'est quoi? C'est des touches de jeux vidéo, ça? Et oui, c'est jeux vidéo, frère. Est-ce que c'est des touches de jeux vidéo? Y'a quoi dedans? Pas, mais en tout cas, c'est tout mouillé, mais y'a rien, les gars. Mais en tout cas, les gars, c'est sûr qu'on est sur la bonne voie. Bouteille d'alcool? Ah non, les gars, c'est abusé. Je sais pas si c'est Micromania, les gars, mais si c'est Micromania, les gars, une grosse bouteille d'alcool comme ça, j'ai pas envie de la toucher carrément. Ah, je suis tout content de pas avoir été premier. Pas, ma parole, c'est leur sac. C'est pas ça, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Mais leur couleur? C'est pas ça. Oh, les gars, Micromania, frère, c'est vert un peu. Ma parole, mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est bleu, Micromania. Et j'ai dit quoi? Mais attends, attends les gars, c'est l'emballage, ça me tire normal. Ma parole, je t'ai dit. Ils ont jeté des jeux vidéo. Attends, moi je connais Micromania. Il y a des sacs de petite taille et des sacs de grande taille. Petite taille, ils le donnent dès que j'achète un jeu. Déjà là, les gars, ce qu'on est bien, c'est qu'on a la preuve que c'est formellement la poubelle Micromania. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment de bien gratter là. Dedans. Elle est neuve. Hein. On a fouillé plein de poubelles dans notre vie. En ce moment, je sais pas ce qui se passe avec les poubelles. Toutes les poubelles, on fouille. Il y a du gaspillage. On va démontrer ça, les gars. Mais non, mais en plus, c'est même pas utilisé. On sait pas si c'est Micromania ou pas, les gars. Même pas un bouc qui a été croqué. Il est neuf, ils l'ont jeté. J'espère pour Micromania que c'est vraiment pas eux. J'espère. Parce que le gaspillage alimentaire, ça se fait vraiment pas, surtout en 2023. Ah, jette-moi ça, les gars. Encore de la bouffe moisie, les gars. Donc t'as trouvé quoi là actuellement? Y'a rien, pourtant c'était un mec, il est passé là jeter un sac Micromania. Pour le moment t'es vraiment pas en BNF. T'es possible que ce soit pas la poubelle de Micromania et que ce soit uniquement un mec qui a acheté un Micromania, qui a acheté son jeu et qui a fini. Mais les gars, moi ce qui me fait dire que c'est Micromania, c'est ce carton les gars. Freaks and Geek. Tu trouves pas en dehors de Micromania ça frérot. Y'a des poubelles derrière, c'est à mon tour de chercher. On va commencer par elle. Je viens de trouver une facture de fou. Facture Volkswagen Bank. Je crois qu'il a pris une voiture en fait. Donc autant les gars, c'est le mec de Micromania qui s'est acheté une voiture en fait. Est-ce que Micromania ça paye autant les gars pour acheter des voitures? En tout cas les gars, facture Volkswagen, vous voyez bien, c'est toujours intéressant à prendre. Je pense les gars, faut aller dans cette poubelle les gars. C'est parti. Oh wesh, ma parole, je pense pas du plastique. Il y a des feuilles dedans. Tu me racontes, frère. Ah, c'est quoi, frère? Qu'est-ce que c'est? C'est du plastoc, frère.
Il est tout cassé, frère. Ah, on dirait pas les trucs de Play 4 à l'époque. Wallah, c'est un truc de PS5. Qu'est-ce que tu dis? Mais Wallah, c'est un truc de PS5, frère. Arrête de mentir. Mais les gars, regardez-moi, c'est long, mais le disque. Gros, get bien, frère. Je vous explique, les gars, c'est quoi? C'est les coques qui vendent à Micromania de PS5. À Micromania, à chaque fois, ils vendent ce qu'on appelle des coques de PS5. La PS5, c'est la seule console où on peut mettre des coques personnalisées. Mais là, c'est ça, c'est la coque. Sauf qu'elle est cassée. Ah, tu peux la recoller en vrai, hein? Non, là, c'est mort, là, elle est plus cassée. Ah ouais, là, c'est le disque. Mais oui, c'est le disque, regarde. Et ça, vous voulez que je vous dise le prix, les gars, Micromania? 50€. Moi, je te dis, tu gardes jusqu'à la fin. Si on trouve au par hasard un CD ou quoi, on le met dedans. Mais si le CD il rentre, si ça c'est PS5. Et si vous on trouve pas de CD, on en achètera. Ok, pour moi les gars, c'est entièrement une coque de PS5 pour moi, à 55€, voire 50€, les gars. Je vais mettre de la colle, les gars, dessus et je vais la recoller. Et ça me fait déjà 50€ dans la cagnotte. Aujourd'hui, je repars en BNF. Mais par contre, qu'est-ce que je viens de trouver aussi? Un bon de livraison. Est-ce que c'est eux qui livrent Micromania dans leur jeu? Parce que Micromania, les gars, ils fabriquent pas les jeux. Il faut qu'ils se fassent livrer. C'est un bon de livraison, les gars. Ça veut dire on est dans la bonne poubelle. On est dans la bonne poubelle. Malheureusement, les gars, il y a rien d'autre. D'accord. Moi, je prends quand même ma coque de PS5, les gars. Moi, les gars, dans cette poubelle, je suis déjà en BNF. 50 balles, les gars. Dernière poubelle, les gars, ici. À ton tour, Zach. Ah, c'est les boîtes de glace. Ah, y'a Get. Ah, comment ça fait? Il est utilisé en tant que centre. Ça mange au Burger King aussi là-bas. Dès qu'il y a de la bouffe dans les poubelles, c'est le pire, les gars. Bon, là, qu'il y a une boîte rouge. On dirait Get. C'est du. Va pour le Get. Oh, viens. Va pour aller, une boîte rouge. Pas, elle est mouillée. C'est quoi? C'est même pas une Switch, gros. À la couleur, les gars, pour ceux qui savent, c'est quoi les boîtes de Switch? On a cru que c'était une boîte de Switch, rouge et jaune. Sauf qu'en fait, c'est juste un jeu pour enfants. Il y a même pas de jouets dans le sachet. Il y a pas de jouets, les gars. Très intéressant, les gars, et sans vous mentir, cette ville, les gars, il y a beaucoup de monde qui passe. Il y a beaucoup de flics qui passent, les gars. Ça peut, on est vraiment, franchement, dévisagé dès qu'on fouille les poubelles. Donc je pense qu'on va changer de ville. Et moi, je pense, les gars, on a fouillé bien ce pour ce Micromania. On va trouver le Micromania le plus proche de cette ville et changer de ville, voir le Micromania le plus proche et aller fouiller. Là, les gars, on est dans la deuxième ville. On peut vraiment pas parler fort, les gars. Terrain, comme vous pouvez voir, on est dans un centre commercial. Et à l'intérieur du centre commercial, il est censé avoir un Micromania le plus grand de toute la ville. Ce qui signifie, les gars, qu'on s'est déplacé quand même. Et au final, on arrive et il écrit quoi? Accès fermé au public. Site sous vidéosurveillance. Oui. On va aller tout de suite à l'intérieur du magasin, voir si on trouve le Micromania. C'est parti. S'il y a des caméras, ça semble. Là, les gars, on a trouvé une autre entrée pour aller directement devant chez Micromania. Devant ce Micromania, tout est fermé. Ah, fais gaffe, c'est rempli de caméras. Gars, le but, c'est premièrement trouver Micromania dans cette ville. Ouais. Deuxièmement, trouver la poubelle de ce Micromania et la fouiller. Les gars, on vient de trouver le Micromania, on est en plein milieu du centre commercial, tout est vide, il n'y a pas un chat, on peut vraiment pas crier fort, c'est sous surveillance. Le but, c'est d'aller au parking, d'aller dans les sous-sols du magasin, dans les sorties de secours, pour un seul but, trouver la poubelle, ce Micromania là, les gars. Et directement, essayer de choper le plus de choses. Donc les gars, vous avez des idées pour les poubelles? Moi je te dis, je pense qu'on va trouver. Vous voyez les figurines DBZ qu'ils ont derrière? Donc c'est des cartes, les gars. Tout ce genre de cartes Roblox, etc. On peut peut-être les avoir directement en vidéo, en poubelle. Et les gars, imaginons on a beaucoup de chance, on peut peut-être tomber sur ça. La fameuse PS5, les gars. Oh, les gars. Même une PS4, je prends, les gars. Imaginez juste qu'on tombe sur ça, les gars, dans une poubelle Micromania. Ça serait incroyable. Là, les gars, on va plus tarder. Ouais. On va essayer d'aller dans les sorties de secours, là où personne va, pour essayer de trouver la poubelle de ce Micromania. C'est parti, les gars. Moi, pour moi, le Micromania qui se situe c'est environ 36, vers ici. Ok, c'est 36. Oh, c'est tarfade, là. C'est une alarme? Regarde, prends la musique, elle se déclenche. Et moi, que c'est une alarme, les gars, qui se déclenche avec le mouvement. Il vient d'avoir un son très bizarre, qui vient de se couper. Ce qui signifie que potentiellement, c'est peut-être une alarme, mais c'est pas une alarme que vous connaissez tous. C'est une alarme sous forme sonore. En fait, il y a le Micromania en hauteur. On va essayer d'aller pile en bas du Micromania pour voir s'il n'y a pas un local à la poubelle. Parce que souvent, dans les magasins comme ça en hauteur, ils descendent la poubelle en bas au sous-sol. On va aller, les gars, c'est parti. Là, les gars, suivez-nous. On a galéré à chercher. On a fait tout le magasin de fond en comble. Et là, les gars, la première piste qu'on a, c'est cet entrepôt bleu dans le magasin. On va essayer de voir si la porte est fermée ou ouverte. Déjà, les gars, il y a des poubelles à droite. Ce qui signifie que c'est potentiellement les poubelles de Micromania. Ça y est, c'est bon, c'est fermé. Attends, c'est pas fini, quoi. Il y a une porte, les gars, qui va passer. Il n'y a pas. On va aller là-bas. Il n'y a rien, les gars, il n'y a rien. Quand il y a la pluie, il y a le beau temps. Un accès au sous-sol. Un accès au sous-sol, mais on s'en fout du sous-sol. Nous. Ce qu'il nous faut, frérot, c'est des poubelles de Micromania. Des poubelles. C'est-à-dire, soit on va directement en bas du Micromania entre les poubelles, soit on est cuit. Là, les gars, on s'est mis à l'abri. On a enfin trouvé la seconde poubelle du magasin Micromania, du second magasin de la vidéo, les gars. Vous êtes prêts à fouiller ou pas? Mais frère, putain, la poubelle. On a galéré, on a fait tout le tour du magasin plusieurs fois. Et on a trouvé deux grosses poubelles. Première grosse poubelle, c'est celle-ci, les gars. Ouais. Malheureusement, les gars, c'est une poubelle destructeur broyeur. Ce qui signifie, les gars, qu'on peut absolument pas fouiller en fait. Il y a écrit couper l'alimentation électrique avant d'ouvrir. Donc ça risque de nous broyer la main. Je pense, moi, que c'est une poubelle qui broie les choses en fait. Donc on ne peut absolument pas fouiller. Et en plus de ça, il faut une clé. Donc on peut rien faire, les gars. On est obligé d'aller sur la petite poubelle. Mais dans la petite poubelle, les gars, à tout moment,
franchement, il y a de vraies vraies choses à trouver, à fouiller les gars. Donc on va fouiller juste derrière nous la poubelle, let's go. C'est parti les gars, let's go, fouillons la poubelle. On a fait plus de 100 km pour cette ville, on a pas fait ça pour rien les gars, il faut fouiller. 3, 2, 1, c'est parti. Ok, déjà les gars, premièrement, il y a beaucoup de cartons. Première chose positive, c'est pas de la nourriture. Plus il y a des cartons, plus il y a des chances de trouver des PS5, c'est comme ça les gars. Ça les gars, je pense pas que ce soit micro-magnien. Voilà, c'est de la bouffe les gars. Je pense que c'est une poubelle collective encore une fois. Agendas ça c'est. Agendas, c'est que de la bouffe. C'est peut-être l'entreprise à côté de Micromania. Haribo, que des bonbons. Pareil, Haribo les gars, à côté de Micromania, mais c'est pas Micromania. Par contre les gars, moi je vois des trucs là. Ça, regardez-moi ça. Oh, c'est quoi ça? C'est des trucs potentiellement qu'on peut trouver Micromania. Parce que Micromania ont une partie de décoration pour les setup gaming. Il y a absolument rien dedans. Mais ça peut être 3 Micromania. Oh, c'est quoi ça? On dirait pas un iPhone. C'est une affiche, tira. C'est l'affiche de film, frère. Wow. Les gars, c'est l'affiche du film Scream, ça. C'est l'affiche du film Scream. C'est pro, là, j'étais là. Mais est-ce qu'à Micromania, ils ont le film Scream? Et non. Il y a plusieurs entreprises réunies en fait. Pas à la poisse. Okay. Mais frère, pour fouiller, c'est pour faire quoi? Faut rentrer à l'intérieur. Tu veux rentrer là? Ouais, c'est les gars, il est chaud. Moi, les gars, je pense pas rentrer parce qu'à mon avis, c'est sûr, il y a des rats au coin de rats. Il y a Zach, il est fou. Zach, il pense qu'il va trouver. Il est fou, les gars. Parce qu'en fait, comme on a dit au début de la vidéo, chaque chose trouvée, c'est la personne qui a trouvé à qui ça lui appartient, les gars. Ça, c'est quoi ça? Je sais pas, c'est coloré. Oh, c'est la fiche de film encore. Bah, c'est cadre. Je trouve ça, les gars, tu le gardes. Oh. C'est un carton play, ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Maki. Maki sushi. Ah, c'est dégueulasse, dites-moi ça. Ça pue. Vas-y, ferme-moi, si je vais jeter ça. Ah, c'est dégueulasse. C'est la pire odeur que j'ai ressentie de ma vie. À Micromania, les gars, il y a possibilité qu'ils aient commandé des sushis et également une pizza, les gars. Obligé, reste une olive à l'intérieur. Ça mange aussi des McDo à Micromania, ce que je vois. Bon, Zach, c'est d'accord, ça finit son expérience. Malheureusement, t'as rien trouvé. C'est à mon tour, les gars, d'y aller. Si y'a des bons trucs, je te rejoins, en vérité. Ah ouais? Tout pour Micromania, si on a des cartes PSN, si on a des trucs comme ça. On fait moitié-moitié. Ouais. Moi, une figurine Dragon Ball Z et une figurine One Piece, c'est carré dans l'axe. Oh, moi, je vous promets que si on trouve une carte PSN, ma parole, je vous la donne. Wesh. Quoi? La vérité, wesh. Quoi, wesh. Arrête, c'est moi, j'ai trouvé une figurine pop à 4,99€. Et ça, je reconnais, les gars, c'est des figurines pop qui vendent à Micromania, les gars. Ce qui signifie, les gars, qu'on est dans la bonne poubelle. Et malheureusement, les gars, comme vous pouvez voir, il n'y a absolument rien à l'intérieur. Donc, ils ont jeté que le carton. Attends, c'est nul, c'est un jeu PS3. Oh yeah. Ma parole est un jeu. Mais attends, je suis dégoûté, c'est PS3. Il a trouvé Far Cry 3 sur PS3. Mais les gars, c'est un premier lot. Ghetto, c'est déjà. Attends, mais déjà, c'est montré, frère. Ouais, déjà, ça a dû le découvrir, frère. Bah attends, c'est une dinguerie, wesh. Il est quoi, fissuré, il est fissuré, frère. Mais les gars, il est pas fissuré n'importe comment, wesh. Mais guettez comment il a rayé, frère. T-Rex, ça c'était comme ça. Pour moi, les gars, ça fait exprès d'être rayé comme ça. Normalement, les gars, vous avez déjà des rayures sur vos CD. C'est jamais comme ça, les gars. C'est tout le temps des petites rayures. Là, les gars, une rayure comme ça, on dirait que quelqu'un a mis un coup de couteau dans le CD. C'est trop bizarre, les gars. Ah ouais? Il y a un code Far Cry? Un code Far Cry, ah ouais. Je sais pas si ça a été utilisé. C'est le premier lot. On va continuer à fouiller, les gars. Mais t'es vraiment malade. Regarde ce qu'il y avait. Ah, c'était des PS4. Mais non. Vas-y, t'es 4. Oh, y'en a encore. Vas-y, 4. Voilà les gars, non, comme vous. Y'en a encore. C'est dégueulasse. Regarde. Mais attends, y'a combien de CD là? Oh, 10. Y'a un jeu, deux jeux. Non, moi c'est les miens, c'est ceux-là. Qu'est-ce que? 3 jeux, 4 jeux. Ah, j'en ai trouvé 6 moi. 5 jeux. 6 jeux. Et si c'est un jeu? Mais c'est Black Ops 3, ça le fout. C'est le truc collector, frérot, à l'époque. Mais c'est Black Ops 3. Mais tu sais, tout le monde le connaît. Call of Duty Black Ops 3, édition collector. J'ai jamais vu un jeu comme ça. Mais si, c'est le truc collector, espèce de malade. Oh, les gars, oh là, qu'est-ce qui pue? Vas-y, là. Attends, moi? Il a déjà fait sur. Non! Ah, mais attends, c'est que l'avant. L'avant, c'est pas grave. Baguette. J'ai pété un peu. Tu es un grand fou. Il y a des crottes dedans, frère. Lui, il est entièrement rayé. Rayé, entièrement rayé. Et les gars, remarquez quelque chose, les gars. Tous les CD ont été rayés uniquement avec une croix. Pour moi, les gars, c'est fait exprès. Non, c'est pas normal, les gars. Il y a un mec à Micromania qui, lorsque les jeux ne se vendent pas, s'amuse à les rayer lui-même. Les gars, ça me dégoûte. Tom Clancy The Division. Le jeu, il est neuf, les gars, il y a des croix dessus. Mais oh là, c'était des trucs collectants. Ça, on peut le garder, ça encore. C'était des trucs comme ça. On peut le garder. Les gars, ça me fait vraiment mal au cœur, les gars, parce que je me dis, toi, ce jeu-là, ce genre de jeu Far Cry Primal, Destiny, etc. Il y a des enfants dans les hôpitaux, ils ont pas de jeu. Et là, les gars, ça permet de les rayer normal. Tout ce pack pour rien. Il y a certains magasins alimentaires, vu qu'ils ont pas le droit de donner les aliments au SDF, ils mettent de la javel dessus pour que personne puisse les manger. Qui vous dit pas que Micromania, les gars, ils prennent les CD et plutôt que les gens ils aillent fouiller dans les poubelles pour avoir leur jeu tout simplement de play, ils s'amusent à les rayer eux-mêmes. Le SDF, déjà, il faut qu'il ait la play avant d'avoir le jeu. T'as rien compris, toi? Et ouais. En tout cas, les gars, on va tout reprendre, les gars. Je fouille même plus dans cette poubelle, ça m'a dégoûté. C'est comme si t'avais jeté de la javel sur de la bouffe. Pour pas que les SDF ils mangent. On citera pas le Micromania, mais ce Micromania, les gars, là, on a trouvé ça dans la poubelle. Les autres Micromania, les gars, on a trouvé quoi? On a trouvé des petits sacs, des coques de PS5. C'était presque rien. En fait, y a rien de gaspillage. Et je crois que c'est la première vidéo poubelle qui gaspille autant. On va enchaîner, les gars. On va essayer d'aller voir ailleurs. Je sais pas comment on va faire, les gars, mais en tout cas, je suis dégoûté, j'ai envie de rentrer chez moi, je pense. C'est bon, les gars, on change de ville et on prend une nouvelle poubelle. C'est parti.
au moment où on part, regardez qui se pointe. La sécurité. Tu vois qu'ils avaient un truc à cacher. Ça se voit qu'en fait ils voulaient pas qu'on trouve leur gaspillage. Heureusement on a réussi à partir avant. Avant les gars, mais c'était vraiment chaud. Là les gars, après une journée de galère à essayer de trouver un nouveau Micromania, on a fait plus de 200 km et on se retrouve à côté de Marseille pour fouiller une nouvelle poubelle de Micromania. Le troisième Micromania de la journée les gars. On est dans une grande zone commerciale. Ouais. Premièrement les gars, il est allumé. Qui dit les gars allumé dit que c'est surveillé, c'est protégé par des caméras les gars. Donc on va pas prendre plus de temps les gars. On va aller faire le tour pour essayer de voir où sont les poubelles de ce Micromania. Les gars, t'es tiré en gros. Mais il pète lui. Après, il est... À tout moment ça passe les gars. Plein de Nintendo Switch. Avec les prix 219, mais c'est donné. Une Nintendo Switch comme ça frère. C'est plein de Nintendo Switch. On va faire le tour du magasin en essayant de trouver les poubelles de ce Micromania. Let's go. Là les gars, pour moi ça a l'air d'être ici les gars. Avancez les gars, faites surtout attention. Derrière il y a une grosse caméra œil de poisson qui nous regarde. Pour moi les gars, les poubelles des magasins c'est toujours autour des magasins. Par contre, vas-y. Il y a quoi au fond frère? Il y a une grillage frère. Pour l'escalader je crois. Non, bien propre escalader. On a le drone. Le drone il va voler. Il va faire le tour du magasin pour voir s'il y a vraiment les poubelles. Donc, attends, là on a un drone. Là, ouais. On survole la zone, ouais, et on arrive à trouver où sont les poubelles exactes du Micromania. Comme ça, on fait pas de défraction. Voilà, comme ça, si ça vaut le coup, on saute. Si ça vaut pas le coup, et au moins, s'il y a un problème, il nous casse le drone, mais on se fait pas attraper. Nous. Ça, les gars, c'est peut-être une bonne idée. Notre seul but, les gars, c'est de trouver la poubelle de ce Micromania direct, rapidement. On va survoler la zone avec le drone et voir s'il y a des poubelles autour du magasin. S'il y a une poubelle derrière nous, les gars, on y va, on escalade le grillage et on fouille la poubelle. C'est parti. Wow. Là les gars, c'est parti. À partir de ce moment là, le drone est au-dessus de nous les gars. Et là les gars, ça va faire le taf, on va survoler la zone. Let's go. Là les gars, le drone il est ici. Là on est au-dessus du grillage. C'est quoi les trucs rouges là-bas? Les poubelles? Non. Là. Où ça? En haut. Un container blanc. C'est pas un container? C'est une clim. Non. Si, ma parole c'est un container ça. Regarde s'il y a un cadenas. Zoom un peu. Pas guette le gros cadenas. Ouais, c'est fermé. Il y avait un seul container. On va faire tout le tour de la zone. C'est un container? C'est un container. Un container dans un container. Ce container les gars, il est inaccessible. C'est comme le broyeur, tu veux pas le choper ce container. Sauf que là il est blanc. Guettez bien la zone. Dès que vous trouvez des containers, vous me dites. En fait, là c'est pas de container au drone. C'est-à-dire qu'il y a un seul container dans toute la zone. Et le seul conteneur dans toute la zone, ça veut dire que ce sera le seul de tout le magasin, de tout son commercial. Là, j'essaie de chercher, j'essaie de voir. Là, t'as des conteneurs, mais c'est les conteneurs de Naruto. Ouais. Les gars, j'ai trouvé, les gars. Bah. J'ai juré, j'ai trouvé. Guettez-moi ça. Il est là, les gars. Il est là. C'est filmé, les gars. Le conteneur, les gars, il est juste derrière le Micromania, les gars. Le conteneur est ici. On va s'y rendre tout de suite. On va récupérer notre drone et on va aller fouiller le conteneur de Micromania. Let's go. Là, les gars, c'est parti. On va monter dans la benne. On l'a vu au drone, les gars. On est sûr que ces poubelles sont celles de Micromania. Guettez-moi la tête de la benne. Il faut et monter, faut sauter. Vas-y, filme-le, qu'est-ce qu'il va se fracasser, ouais. Mais vas-y, passe, fais passer ta jambe. Vas-y. Ah, ma parole, les gars, il va à la salle, ça fait 10 ans qu'il est à la salle. Il a pas la force pour se soulever. Il va tous les jours, pas à la salle. Ma parole, c'est pas. C'est bon, les gars, je suis enfin arrivé à monter, les gars. On va fouiller maintenant. Il y a beaucoup de cartons. Et je peux vous dire quelque chose, les gars, ça pue la bouffe, la pisse. Ça pue la pisse. Mais il y a beaucoup de cartons, les gars. Ah, mais le problème, c'est que moi, je veux pas des cartons, je veux ce qu'il y a dans les cartons. Un colis de Monster, les gars. Ça, c'est vraiment typique, les gars. Chez les gamers, tous les gamers, on a reçu les boîtes du Monster. Qu'est-ce qu'il te faut dès que tu joues? T'as un petit Monster pour jouer à Play. Un petit paquet de chuc avec. Pas, mais là, c'est pas un paquet, là. C'est... Là, ils ont commandé une baraque, frère. Ah, c'est quoi cette boîte, frère? Quoi? À l'intérieur, frérot, c'est une boîte normale. Hein. Et à l'intérieur, il y a écrit. Offrir la carte cadeau Micromania Zing. Y'a rien dedans? C'est une carte cadeau. Et y'a écrit montant 10€. Y'a aucun message, les gars. Et là, y'a aucune carte. Y'a rien. Ils ont pris la carte, frère. Peut-être elle a déjà été utilisée. Grâce à cette carte cadeau, faites-vous plaisir en achetant des jeux vidéo, des produits dérivés, des consoles, des accessoires. En fait, c'est une carte cadeau de 10€. Mais elle était là. Et ils l'ont déjà utilisée. Mais qu'est-ce que tu racontes, elle? Mais ma parole, elle? Je suis mort. Mais attends, sérieux? Ma parole, c'est la carte. Les gars, c'est la carte qui va avec. Ah, mon écu. Elle est déjà grattée, frère. Moi, je vais réessayer. Lui, il veut pas réessayer, gars. Regarde là pour toi. Moi, je pense que la carte, elle est morte. Tout le monde me l'a dit dans les commentaires, les gars. Les cartes comme ça, en fait, c'est. Ils te donnent la carte et dès que tu veux l'utiliser, tu la reprennes. Après, ils la jettent. Et la carte, dès qu'elle est grattée, elle est reprise. Déjà, c'est ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la poubelle de Micromania. Les gars, c'est vraiment une galère de fouiller, les gars. Mais on va fouiller jusqu'à trouver des trucs. Quoi? Carte Roblox de 10€. Malheureusement, les gars, déjà utilisée. Pas la poisse. Ma parole, on peut tomber sous d'autres cartes. Tout ce conteneur, j'ai l'impression qu'il est plein de cartes, mais elles sont toutes déjà utilisées, regardez. Ok. J'ai choupé, frère, j'ai choupé. Oh, look. Get. Les étiquettes, ah ouais, c'est une étiquette, frère. Zach, les gars, vient de trouver une étiquette de 22€. Dommage. C'est des étiquettes, les gars, qu'on place sur des jeux, sur des consoles. C'est vraiment une promo qui vient de Micromania. Les gars, un truc de boule que Micromania met à leur caisse, il me semble. C'est des petits trucs achetés à 2€ à Micromania. Souvent, je les ai vus, les gars. Mais regarde ce que je viens de trouver, frère. Encore une carte cadeau, frère. Et elle est là. Non, c'est la même. De la poubelle. Attends. C'est la même ou pas? Tu l'as rejeté la carte cadeau, toi? Non, elle est là. Ah, donc c'est deux différentes. Sous ma gueule. Moi, c'est 304 à l'arrière. Moi, 167. Les gars, une carte cadeau, encore la même. Et là, encore le même truc. Je suis sûr que c'est la même que la tienne. Mais là, regarde. Ah non, montant 20€. Toi, c'est 10€. Moi, je te dis quelque chose, gardez. Moi, pour moi, à coup sûr, c'est déjà utilisé. Tu sais, tu peux les garder.
Là les gars, on arrive à la fin de cette poubelle, j'en peux plus les gars. On l'a fouillé pendant environ une heure et demie de fond en comble. On a retourné tous les cartons les gars. Rien. Et on a trouvé quand même deux cartes cadeaux de Sincera. Cartes cadeaux mais déjà utilisées. C'est vrai les gars. Ça dure, après à voir si elle est déjà utilisée. Mais là les gars, pour le moment, je peux vous dire quelque chose, c'est que là on n'est pas vraiment bénéf. Bah non, zéro. En tout cas, moi je pense que ça sert à rien de perdre plus de temps. Là les gars, il est actuellement la fin de journée. Moi je connais un dernier Micromania. Mais ce Micromania les gars, il est vraiment surprotégé. Il est en plein milieu d'un centre-ville, d'une ville assez connue. Et ce Micromania, c'est très très simple. Si tu veux y aller, il faut aller minimum à 1h, 2h du matin. Donc soit on finit la vidéo sur ça, soit on va faire le dernier Micromania, mais il faut y aller à 2h du matin. En sachant que là il a à peine 21h. Ouais, c'est bon, de toute façon on a rien à perdre. Les gars, on se retrouve au dernier Micromania, 1h du matin, let's go. Là les gars, on s'est retrouvés, il est actuellement 2h du matin, il y a plus personne dans les rues. Et regardez-moi ça les gars, au-dessus de nous, Micromania les gars. Ce qui signifie que c'est notre dernier magasin de la journée, notre dernière chance de se mettre en jackpot. C'est kit ou double. Voilà. Il nous faut quelque chose qui puisse se revendre sur le bon coin, tu vois. Une manette de PS4, une manette de PS5. Moi je veux la PS5. Tu vois, ce que je veux dire, un petit jeu pareil. C'est ça qu'il nous faut. Faut que la journée soit rentable. On parle vraiment doucement parce que c'est une ville assez bizarre. On va faire le tour pour essayer de trouver les poubelles. Vous savez pas, mais il y a eu beaucoup plus qu'une journée de tournage. Cette vidéo a pris beaucoup de jours. Donc les gars, c'est notre dernière chance d'aller à Micromania. Je veux ma console de jeu gratuite. Viens, va chercher maintenant. Let's go, c'est parti. Les gars, on a enfin trouvé la poubelle derrière le Micromania à 2h du matin, les gars. On a trouvé pas mal de choses aujourd'hui. La poubelle, les gars, il faut aller directement dans la poubelle pour rentrer dedans, les gars. Bah, regarde ce que, sur quoi je suis tombé. Attends, attends, jette ça, frère, jette ça, jette ça. 2h, c'est censé être 2h du matin. Attends, chut. Voilà ce que ça fait. Voilà, il y a un serpent. Voilà, il y a un serpent, les gars. Voilà, il y a un serpent. Vas-y, dégage. Il est arrivé, il a mis son pied. Moi, lui, ça fait. Il est 2h du matin, j'en ai rien à battre. Vas-y, ça, tu te fais piquer. Wallah, je t'amène pas à l'hôpital. S'il trouve une PS5 et il se fait piquer, frère, c'est Dieu qui donne. Juste attendez. Ça, les gars, on dirait les sacs plastiques. Ou à l'intérieur, je peux mettre en fait des habits dedans. Je sais qu'à Micromania, ils vendent pas mal d'habits. Que ce soit des habits One Piece, des habits Fortnite, les gars. Ça peut être ça, peut-être. Oh, les gars, j'ai trouvé une chaise. C'est même pas que Micromania les gars. Regardez la chaise les gars. C'est un autre vendeur, ça veut dire c'est rien à voir avec Micromania les gars. Ils ont cette poubelle. Regardez la chaise les gars. Coup de cutter, coup de cutter, coup de cutter pour une seule raison. Pour que les gens ne puissent pas l'utiliser chez eux la chaise. Et ça les gars, ça me dégoûte. Tu jettes quelque chose, laisse les gens récupérer wesh. Regarde ce que je viens de trouver. C'est une plante ça. J'ai trouvé un palmier frère. Ah vas-y, prends pas. T'as pas compris je crois le but de la vidéo. Il faut du bénéf là frère. Y'a que des papiers les gars, mais y'a rien de bien intéressant. Et c'est la dernière poubelle les gars, il faut qu'on trouve quelque chose. Les gars là au moins vous voyez toute la difficulté de fouiller les poubelles les gars. On vous montre pas que le positif, y'a tout dans cette vidéo. Y'a le positif et le négatif les gars. Et dans cette vidéo comme vous avez pu voir, y'a beaucoup de négatifs. On peut pas trouver à tous les coups quelque chose. Là regardez les gars, on a cherché pendant presque une demi-heure cette poubelle. Absolument rien, même pas un truc qui vaut 1€ les gars. Quoi? Pas de facture ça? Ça a l'air d'être une liste de produits à commander. Donc, comme une liste de produits, tu vois, t'as la quantité et il y en a plein, les gars. Et ça, tous les magasins, ils l'ont. Et je pense que ça, c'est de Micromania. Ah, mais ça me. C'est quoi ce bruit? T'entends? C'est quoi ce bruit, frère? Les gars, il y a de l'électronique dans cette poubelle ou quoi? On a entendu un bruit, les gars, comme si un bruit de Tokyoki. Et c'est au moment où j'ai marché dessus. J'espère que c'est pas la sécurité qui passe là. Il y a quelque chose, je crois. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Le premier truc entre guillemets neuf de la vidéo, c'est écrit quoi? Chill, Mori, E-Master. Et en gros c'est un câble. Il a pas planté ça aussi. Je l'ouvre. Vas-y. C'est écrit en bas. Chill, Moric, blé, imprimante, Uri. Et c'est écrit en chinois. Tu sais, je crois que c'est un câble de quoi ça le fout? Je crois que c'est les câbles de PS5, PS4. C'est pas les câbles de Play? Dis-moi juste, c'est pas les câbles de Play. Ma mère elle a le même pour la radio. C'est les câbles d'alimentation de la Play. Et c'est la Play 4, Play 5. Et ça les gars, c'est vraiment un câble neuf. Regardez, il y a encore le petit truc et tout autour. Ouais. Mais les gars, c'est le premier truc de la vidéo qu'on peut revendre sur les certains les gars. Ouais, ça vous le dire. Et ça moi. Ah les gars, ils ont jeté des chaussures frère. Tu veux la veux pour toi ou pas? Mais qu'est-ce que fashion? Est-ce que le pute prof? Ma parole je sens pas. Oh ma parole 50 centimes au marché au puce, hein, allez hop. Mais wesh, mais wesh. Mais wesh. Non. La parole c'est moi qui l'a trouvé. Je suis sûr qu'elle a trouvé. C'est moi qui soulevais le carton. Mais frérot, je suis choqué. Voilà que les. Ah les gars, je suis choqué les gars. Mais la douille c'est quoi? C'est que attends. Je sens copois. Je le sens copois. Écoutez, juste écoutez. Frérot, tu sais ce que c'est? J'ai cramé c'est quoi? Il y a tout le temps ce qu'ils mettent aux vitrines. Et c'est tout le temps des consoles. Sans aucune console à l'intérieur en fait. Les boîtes vides. On va quand même ouvrir les gars. Mais on est d'accord pour dire qu'il n'y a rien. On va le mettre avant sur le bon coin. C'est totalement vide. Il y a quoi dedans? Il y a tout sur la console. Y'a même pas des câbles dedans? Y a rien. C'est des modèles d'exposition, on appelle ça des modèles d'exposition. Et en fait ces modèles d'exposition là les gars, c'est uniquement un Micromania. Ça prouve que c'est Micromania les gars, mais. Il y a R les gars. J'abandonne frère. Mais c'est quand même une dinguerie. En fait ça me prouve que c'est Micromania tu vois. Micromania. Parce que ça les gars, où c'est que tu peux le trouver? Il y a écrit le truc de Micromania, le prix encore. Il y a écrit que c'est disponible frère. Ah c'est ce qu'ils mettent dans les vitrines des magasins gros. Du coup la famille, on est le lendemain et là les gars, on a fait un bilan de tout ce qu'on a trouvé aujourd'hui dans cette vidéo. Et pour cette vidéo les gars, le jackpot est vraiment pas si fameux que ça les gars. Pour ma part, j'ai trouvé premièrement des plaques de PlayStation 5, mais elles sont entièrement cassées. Donc à voir les gars avec de la colle si je peux les revendre. Mais si je peux les revendre, ça coûtera environ
environ 50€. Avec Zakos, on a trouvé plein de jeux, mais ça vaut vraiment pas le coup. Ils sont anciens et ils sont tout cassés. Les gars, ils sont entièrement rayés, faits exprès par l'entreprise, les gars, les jeux. Anciens. Donc ça, je pense que c'est totalement invendable. Ça sera 2€ pour toi. 2€. J'ai également trouvé un carton de pop tout droit venu de Micromania qui vaut 4,99€. Mais ça, c'est avec le pop. Sans le pop, ça vaut absolument 0. Et avec Zakos à la nuit, on a trouvé un gros carton avec une Switch. On pensait qu'il y avait une Switch à l'intérieur. Malheureusement, c'était entièrement vide, les gars. Mais elle vient entièrement de Micromania. Ça se vend combien un carton Switch ? 50€. Je pense une petite cinquantaine d'euros, les gars. Un petit 50€ en plus. Et c'est moi qui l'ai trouvé. Et pour finir, on a également trouvé plein de cartes cadeaux tout droit venues de Micromania, les gars. Elles étaient entièrement pleines de cartes cadeaux. Il y a certaines cartes cadeaux où il n'y avait pas la carte à l'intérieur. Mais il y a certaines cartes, les gars, où il y avait cette petite carte à l'intérieur. Et cette petite carte, les gars, il y avait pour 20€, 10€, les gars. Ce qui fait un total de 30€ de cartes cadeaux Micromania. À voir si elles sont utilisées ou non. Mais si elles sont pas utilisées, ça fait 30€ supplémentaires dans la cagnotte du jackpot. On a trouvé un carton Nintendo Switch, une plaque de PS5, des jeux complètement cassés. Et si vous voulez voir tout ça trouvé en fouillant les poubelles de l'usine Louis Vuitton, cliquez sur la vidéo qui s'affiche en haut à gauche, juste ici.